Aujourd'hui, on sort notre pic et notre pelle, et on devient des paléontologues. L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'École du jeu, mon nom est Sylvain, et je vous présente aujourd'hui le jeu Fossilis. Alors Fossilis, c'est un jeu qui a été désigné par David Diaz, qui a été édité par la compagnie KTBG. Donc, la compagnie KTBG est reconnue pour faire des jeux qui sont très familiaux, mais qui sont quand même intéressants. Donc, Fossilis est un jeu de 2 à 5 joueurs avec une variante solo qui existe, avec une extension euh, qui est à part. L'extension à l'origine était euh, mise sur le Kickstarter, mais elle va être éventuellement euh, disponible euh, pour le grand public. C'est un jeu euh, que la boîte d'it 8 ans et plus, mais le jeu vient avec plusieurs euh, points de règles euh, qu'on peut modifier. Donc, si jamais on joue avec des plus jeunes enfants, il y a plusieurs petits points de règle qu'on peut changer pour simplifier le jeu. Donc, c'est un jeu qui dit la boîte dit 45 minutes. Euh, je dirais que ça dépend toujours du nombre de joueurs qu'on va avoir. Donc, premièrement, avant d'aller vous présenter le jeu, je tiens à dire que le thème m'intéressait beaucoup. Oui, les dinosaures, c'est très vendeur dans ma maison. Mes enfants adorent les dinosaures. Euh, je pense qu'on en a partout. Mais également, il y a beaucoup de jeux de dinosaures qui sont faits. Et lorsque j'avais vu Fossilis, j'avais été très curieux de voir comment ils allaient prendre ce concept-là et le mettre dans un jeu relativement familial mais quand même intéressant. Bon, on va aller voir les règles, puis après ça je vais vous donner ce que j'en pense. Voici donc Fossilis. Alors, en début de partie, lors de la mise en place, je voulais vous montrer cette étape-là. On a le plateau comme ça et à l'intérieur, on a un paquet de petits os de dinosaures. Donc, ce qu'on va faire, on va placer le truc par-dessus et on va lui donner un bon petit shake de manière à ce que les os soient quand même assez bien divisés. Donc, ensuite de ça, on va procéder à la mise en place du jeu. Donc, on a des petites tuiles comme ça, euh, de différentes couleurs. Et là, on va les placer sur le plateau. J'ai déjà préparé ça d'avance. Bon, attends une seconde. Et voilà, ça, ça va ici. Donc, j'ai déjà préparé ça d'avance. Euh, on va placer ça ici. Euh, Lorsqu'on va le placer, on va placer une case de roche ici. Donc, il y a un petit X à quatre endroits où on va devoir placer une roche. Et ensuite, avec les tuiles récentes, on va faire un deuxième étage. La seule règle, c'est que euh, sur le deuxième étage, on ne peut pas placer de tuiles euh, supplémentaires au coin et on ne peut pas placer une roche par-dessus une roche. Il va nous rester trois petites tuiles qui vont constituer la défausse qu'on va pouvoir mettre de côté. Et après avoir tout préparé ça, on va prendre le petit stopper comme ça ici et on va et tirer ça de manière à couvrir les endroits comme ça. Donc on ne verra pas qu'est-ce qui est caché sous nos petites tuiles. Ce qui est intéressant, c'est que le stopper va servir d'aide de jeu, et la petite chose ici, le plateau qui sert, va servir de trame de score, et où on va placer les différents éléments du jeu. La mise en place est faite. Donc là, ça a l'air un petit peu serré, mais c'est à cause que j'ai voulu remettre tous les éléments euh, dans la caméra. Mais on peut bien séparer ça de manière à ce que ce soit accessible pour tous les joueurs. Alors dans Fossilis, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir tenter d'excaver euh, et de, de trouver, donc, en tant que bon paléontologue, de trouver des os de dinosaures parce qu'on va devoir tenter de compléter euh, des, des recettes essentiellement de dinosaures pour marquer des points. Donc chaque joueur va avoir un petit paléontologue comme ça qui va placer sur un des coins du plateau. On va également avoir des cartes outils où on va... On va révéler deux qui vont être disponibles pour tout le monde. Euh, des supplies qui vont également avoir deux cartes de révéler pour tout le monde. Et il y a quatre dinosaures qui vont être là et il y a le deck de dinosaures. Donc chaque fois qu'il y a un dinosaure qui va quitter, on va le remplacer. On a également des outils ici comme ça qu'on a placés. On en a neuf, mais le jeu vient avec plusieurs autres dans la boîte. Donc, on va les placer ici qui vont être amenés à être pris. Chaque joueur va également prendre un petit plateau de joueurs et on va également placer des cartes d'événements. La manière que ça fonctionne, c'est qu'on va placer du plâtre. Et là, il y a plein de petits jetons de plâtre comme ça. Mais selon le nombre de joueurs, donc par le si on joue une partie à deux joueurs, donc on place euh, quatre plâtres par joueur. Donc, exemple ici, ça va être huit. Donc, lorsqu'on va avoir enlevé euh, les huit plâtres, on va résoudre la carte d'événement et ça se trouve être le timer aussi de la partie. Donc, chaque fois qu'il y a une carte d'événement qui va être révélée comme ça, on va appliquer les résultats et on va replacer huit plâtres par-dessus jusqu'à temps qu'on soit au fond où on va également placer huit plâtres. Et lorsque ces huit là vont être enlevés, euh, la partie va se terminer. Encore une fois, le jeu vient avec plusieurs cartes d'événements comme ça ici. Donc on n'est pas limité, les parties vont être différentes. Et là, vous voyez un peu le bon des effets. Là. En commençant à la droite du joueur actif, euh, les joueurs peuvent replacer une tuile de sable, etc. Donc c'est plein d'effets différents comme ça, des fois bénéfiques, des fois euh, maléfiques un peu. Donc les joueurs sont des petits pantologues qui vont être amenés à se promener tout au courant du plateau. Parce que le jeu est très simple. Lorsque c'est notre tour, on peut euh, utiliser quatre points d'action essentiellement. Donc, il appellent ça de l'énergie. Donc le petit plateau nous explique clairement Six spend four energies donc on a quatre points à utiliser. On peut également utiliser autant d'outils qu'on le désire. Donc, les cartes d'outils qu'on va pouvoir récupérer éventuellement pendant la partie. Il faut savoir que les cartes d'outils, euh, lorsqu'on va les utiliser pour pouvoir faire une habilité, on va les retourner. Donc, essentiellement, on ne pourra plus les utiliser, mais on va quand même marquer des points utilisés ou non à la fin de la partie. Et là, les quatre points d'énergie sont inscrits sur le petit aide ici de jeu. Ça nous explique toutes les actions et le nombre d'énergie que ça prend pour pouvoir les réaliser. Et ça peut paraître beaucoup, mais c'est très très simple parce que euh, on peut, si on le désire pour un point d'énergie, un plâtre donc on va toujours le prendre ici si jamais il n'y en a pas ici parce que la carte d'événement se résout juste à la fin du tour on va pouvoir en récupérer de la pile générale mais sinon on va toujours le prendre ici on peut également se déplacer et là le jeu nous permet de nous déplacer dans n'importe quelle direction de une à deux cases euh, la seule restriction on ne peut pas terminer notre tour euh, à côté d'un autre joueur mais on peut quand même passer par-dessus et là on peut se déplacer comme on le désire on peut également escalader il n'y a pas de problème au courant de la partie, ça se pourrait qu'on tombe en dehors du plateau. Je vous explique comment euh, un petit peu plus tard. Mais si on veut, on peut prendre un point d'action pour pouvoir remonter sur le site. Également, on peut replacer une tuile. Et là, les petites tuiles qu'on avait placées de côté, donc dans une petite défausse, éventuellement, il va en avoir plus. Mais si on le désire, on peut utiliser un point d'action pour pouvoir en replacer une. Mais le jeu va tourner essentiellement autour des trois prochaines actions qui se trouvent, ben en fait des quatre prochaines actions, qui se trouvent à être de glisser des tuiles. Et là, on peut faire glisser des tuiles de sable pour une action un petit peu plus lourd d'argile pour 2 ou de roche, de pierre pour 3. La dernière action également qu'on va pouvoir faire, donc on peut pousser justement euh, des pierres comme ça, mais euh, si jamais on le désire, euh, on peut également excaver. Et là, de la manière qu'on va excaver, et là je vous montre sur le petit plateau principal ici comme ça, il nous explique les, les sortes d'os de dinosaures qu'on peut avoir et le nombre de plâtres que ça va prendre pour pouvoir les excaver. Il faut savoir que les outils sont toujours gratuits. Donc ben, en fait, on peut prendre une action, mais il ne coûte aucun plâtre. Et lorsqu'on va prendre un petit marteau comme ça, on va pouvoir récupérer une tuile bonus. Mais L'avantage de ces le bonus là, c'est qu'ils vont nous donner un, un plus, c'est certain, et on va devoir les placer. On a de la place pour trois outils, et à la fin de la partie, si on n'a pas utilisé cet espace là, on va faire des points, et si on n'a pas utilisé le dernier espace, on va marquer des points. Donc c'est toujours une question de est-ce que ça vaut la peine de pouvoir de, de de prendre un outil ou pas. On peut pas enlever les outils, donc lorsqu'on en a pris un par exemple, on est obligé de le garder juste pour toute la partie. Euh, les petits os ici comme ça ont une certaine valeur différente, mais également une valeur en points à la fin de la partie. Donc si jamais on les a récupérés et on les a gardés comme ça, on va pouvoir marquer des points. Sachez que c'est vraiment pas la meilleure façon de faire des points, mais quand même. Donc encore une fois, ça se trouve être l'action ici comme ça de pouvoir excaver et pour ça il va falloir avoir accès à un espace de site. Mais comment on va faire? Parce que bien entendu, on est prisonnier présentement parce que on n'a pas accès à creuser dans le trou. Et bien c'est les actions de, euh, de déplacement de tuiles que je vous ai montré tout à alors, donc lorsqu'on le désire, si jamais on veut pousser une tuile de sable, et là de la manière que ça fonctionne, c'est que, admettons que je mettrai mon personnage ici, lorsque je vais pousser, je peux pousser en avant de moi. Donc, si jamais je pousse cette tuile là et je vais la pousser à l'extérieur, les tuiles qu'on a poussées à l'extérieur, on va pouvoir les récupérer et les garder devant nous parce qu'elles vont nous servir pour pouvoir acheter les différentes tuiles comme ça ici, les outils et les supplies. Donc, on va les conserver et lorsqu'on va les utiliser, on va pouvoir les défausser pour justement retirer, euh, acheter des cartes comme ça. Et le, le livre de règles est très clair de la manière que ça fonctionne et c'est très bien expliqué. Euh, encore une fois, les, les règles de déplacement sont tous placées ici comme ça. Donc il nous explique, là, je vous le montre ici, c'est plus facile que, que ça. On peut simplement pousser une tuile adjacente, on peut pousser une tuile en haut, on peut faire tomber une tuile là, il n'y a pas de problème. Cependant, ici comme ça, on ne peut pas pousser euh, une, une si jamais il, il, il y a un étage supplémentaire. On peut également pousser plusieurs tuiles qui vont faire une réaction en chaîne. Cependant, s'il y a une tuile plus lourde que ce qu'on essaie de pousser, donc exemple, on essaie de pousser du sable et y a de l'argile ou de la roche on ne peut pas et on peut également pousser les autres joueurs et on peut si jamais on est tout seul ici comme ça se pousser donc ça se pourrait qu'on fasse tomber des tuiles ça se pourrait qu'on fasse tomber des joueurs et encore une fois les joueurs s'ils si tombent euh, ils vont devoir remonter à l'aide d'une action comme ceux ici sur le plateau de jeu mais ce que ça va faire essentiellement ça va faire des beaux petits trous ou comme ça et lorsqu'on est adjacent à un trou on va pouvoir utiliser les petites pinces parce que oui on peut aller chercher Tantantant, les autres dinosaures avec les pinces. Euh, non, ce n'est pas un jeu de dextérité. Donc, on va pouvoir sélectionner, choisir, regarder quest ce qu'on va aller chercher, aller le prendre et le placer sur notre plateau de jeu. Donc, après avoir utilisé nos quatre actions, donc les quatre petits points d'énergie qu'on a ici, et utilisé un nombre d'outils qu'on le désire, on va avoir le droit d'acheter une carte. Et là, encore une fois, comme je vous parlais tantôt, les cartes ont une certaine valeur et les valeurs vont être représentées sur les, les icônes, sur les différentes tuiles comme ça. Euh, si jamais on paye un surplus, malheureusement, on ne peut pas retirer. Donc si jamais l'exemple j'avais une tuile avec... Euh, avec plusieurs icônes comme ça, on voit les tuiles de roche ont plusieurs icônes, et là je voulais simplement acheter quelque chose qui coûte deux petites pattes, et eh bien je vais perdre ma tuile, donc l'icône excédent va disparaître. Après avoir fait justement ces actions-là comme ça ici, on voit, on prend nos énergies, on peut acheter une carte et ensuite on peut clamer un dinosaure dans notre laboratoire. Et là, pour apprendre un dinosaure, ça se trouve avec les cartes qui sont ici comme ça, euh, qu'on a placées en début de partie. Et là, pour en récupérer un, il faut absolument avoir au moins un os qui va correspondre. Donc, par exemple, ici, ce dinosaure-là, ça va demander comme ça, ici, des bassins. Il va falloir absolument avoir un bassin pour pouvoir récupérer le dinosaure si on le désire. Parce que les dinosaures, on va tenter justement euh, de les récupérer pour placer les os dessus. On peut également marquer des points d'un dinosaure sur, dans notre laboratoire. Parce que dans notre labo, on peut avoir simplement un seul dinosaure en tout temps. Et là, on a deux façons de pouvoir compter les points. Donc, soit on décide d'essayer d'avoir la recette parfaite, donc d'accumuler les, euh, les tuiles comme ça ici, et de marquer des points. Et là, vous allez remarquer que on va pouvoir marquer 17 points si on a réussi à faire euh, la, euh, la recette complète. On peut également marquer des points de manière partielle. Donc si jamais je le désire et j'ai placé seulement un bassin, je peux choisir de marquer des points. Là, je vais simplement marquer 7 points, mais je vais pouvoir le prendre et le placer dans mon aire de jeu de côté. Je vais avoir le droit d'avoir un nouveau dinosaure éventuellement, parce que la raison pour laquelle je voudrais faire ça, c'est les icônes comme ceux ici. Parce qu'à la fin de la partie, les icônes vont compter pour également beaucoup de choses. Donc oui, on a des points qu'on va faire selon les différents dinosaures et les recettes, mais à la fin de la partie, si on a au moins trois de chacun des icônes comme ça ici, on va marquer des points. On a également un point bonus pour les neuf catégories ici comme ça. Et euh, chacune des catégories va avoir un élément de majorité. Alors, les, les catégories sont divisées en quelques, quelques, quelques classes. Il y a les carnivores et les herbivores, les bipèdes et les quadrupèdes, euh, les animaux marins les animaux aériens, et l'ère triassique, jurassique et euh, crétacé, je crois. Donc, ça se trouve être les différentes époques comme ça. En fait, c'est des icônes qu'on va marquer des points et chaque dinosaure va justement avoir trois petites icônes comme ça. Donc, les joueurs vont relier leur tour à faire leurs quatre actions, à se déplacer, à aller chercher des os de dinosaures et euh, tenter justement euh, d'excaver pour pouvoir compléter des recettes. Mais, chaque fois qu'on va excaver, on va prendre du plâtre et ça va servir de timer. Donc, plus, euh, plus on va l'utiliser, plus on va aller chercher et moins il va y avoir des cartes comme ça ici et on va passer au travers des événements. Donc, à la fin de la partie, le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Fossilis. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense de ce jeu? Donc premièrement, euh, c'est pas une critique complète, c'est plus une présentation. Mais je voulais quand même vous donner mon, mon premier avis sur le jeu parce que j'ai joué une petite partie. Euh, c'est un petit jeu qui est très simple, très accessible, mais qui est quand même très sympathique. Premièrement, le matériel. Bon, le matériel est vraiment fantastique. Euh, le... le le, le plateau qu'on sert, les, les petits morceaux. Là, au début, quand je voyais les petites pinces, je me disais, ah, c'est un jeu de dextérité, pas du tout. Euh, je trouve que les illustrations sont belles, donc la présentation du jeu est vraiment super. Puis je trouve que pour un jeu familial, c'est souvent un point qui est intéressant. Euh, c'est certain que euh, ça n'a pas été du matériel, le jeu serait peut-être un peu moins tape à et peut-être moins intéressant aussi pour les plus jeunes. Euh, à la base, en fait, j'ai joué euh, une partie entre adultes et une partie entre enfants. Donc, euh, mes enfants trouvent ça sympathique. Euh, mon garçon... Euh, tu veux un peu la partie, mais bon, il y a eu pas de tendance à jouer, jouer très très longtemps. Ma fille a trouvé ça euh, bien amusant. Mais ma partie entre, entre joueurs a été beaucoup plus intéressante pour moi. J'ai joué qu'un adulte et j'ai trouvé que c'est un petit jeu qui offre des décisions intéressantes. Bon, certains, il y a beaucoup de set collection. On va collectionner des différents dinosaures, tenter d'avoir les bons morceaux au bon moment, utiliser nos points d'action de manière à déplacer le plateau, à faire des trous. Et aussi euh, jouer un petit peu méchant parce qu'on peut on peut se mettre des bâtons dans les roues, bloquer les endroits de l'autre, essayer de pousser l'autre en dehors du plateau. Il va falloir qu'il gaspille une action pour remonter. Euh, je dirais que c'est un petit jeu qui est très sympathique. Donc c'est pas un grand jeu, c'est pas un jeu qui est un must-have dans toutes les collections, mais j'ai trouvé que le jeu offrait assez de, de petits concepts intéressants. Donc, que ce soit le déplacement, de déplacer les tuiles, bon vraiment les tuiles aussi, là, comme je, dis, je revenais sur le matériel, les belles tuiles épaisse. En plastique, mais j'ai trouvé ça le fun aussi. Bon, euh, essayer d'aller chez les dinosaures. Se demander la question est-ce que c'est mieux de collectionner plus de dinosaures de manière à avoir plus d'icônes pour marquer plus de points, mais marquer moins de points immédiatement parce que quand on prend le dinosaure et qu'on complète pas tous les os, tous les ossements, à ce moment-là on va retirer juste un petit peu de points. Et là, c'est toujours la question est-ce que c'est mieux de faire des gros points Parce que j'ai remarqué que quand on complète un dinosaure au complet, les, la différence de points est vraiment massive, parce que ça donne énormément de points. Mais encore une fois, est-ce qu'on balance avec le nombre d'icônes qu'on va avoir Essayer d'avoir au moins trois icônes et les majorités, les choses comme ça, donc de voir un peu qu'est-ce qui se passe sur de la table, des petits points qui sont intéressants. Euh, c'est pas un jeu avec des décisions stratégiques. Incroyable, mais c'est un jeu tactique où on va devoir se réajuster et tenter de s'adapter avec qu ce qu'il va avoir sur la table. Donc, pour ma part, j'ai trouvé que Fossilis est un petit jeu bien sympathique et ben, si jamais c'est le genre de jeu qui peut vous plaire, je vous invite à acheter un coup d'œil. Alors, c'était Sylvain pour l'école de jeu et on se dit à la prochaine! One,